Bonsoir à tous et à toutes. Soyez les bienvenus en ce moment de partage, ce moment d'étude. Que le Seigneur vous bénisse tous. J'espère que vous n'avez pas eu de soucis avec le mauvais temps. Dieu est bon. De mon côté, j'ai pas eu de dégâts, une ou deux branches cassées parce que ça soufflait bien fort. Cela ne va pas nous empêcher d'avoir notre moment d'étude. Le Seigneur veille. Alors encore une fois, bienvenue à tous et à toutes. Merci Éternel, notre Dieu, notre Père, pour le privilège que tu nous donnes d'être là ce soir, à l'écoute et surtout dans l'étude de ta parole. Nous réclamons une grâce particulière pour celui qui va nous partager les révélations de ta parole. Nous réclamons la présence et la direction de ton esprit et que tout se passe selon ta volonté pour ta gloire. Manifeste-toi, Seigneur, durant cette heure de méditation, nous te prions au nom de Jésus, ton Fils, et pour ta gloire. Amen. Alors, il est question pour nous ce soir de nous attacher à revoir ou réfléchir ou repenser la question suivante. Ne plus pouvoir acheter ou vendre, c'est la déclaration de l'Apocalypse, chapitre 13, versets 11 à 18, mais comment? Pourquoi? Cette étude du chapitre 13 et en deuxième partie nous aidera à comprendre ce qui se passe actuellement, ce qui va se passer et qui fera que nous parviendrons à ce moment où nous ne pourrons plus acheter ni vendre. Et quand je dis nous, particulièrement ceux qui vont refuser les lois qui seront votées et déclarés et qui vont aller à l'encontre de la foi, de la croyance, de l'opinion ou encore des convictions de certains habitants de la terre et particulièrement ce que la Bible appelle le peuple du reste. Le reste. On va relire le chapitre et nous remettre en mémoire un petit peu ce que nous avons vu la dernière fois et poursuivre notre réflexion. Apocalypse chapitre 13, versets 11 à 18. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles de l'agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes, et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fît que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Merci à toi. L'étude de ce soir sera corsée, probablement un peu longue. C'est la dernière de la saison. Et j'ai voulu ne pas encore partager une troisième étude, ce texte d'Apocalypse. Ce que nous ne devons pas oublier, chers amis, c'est que les prophéties d'hier et d'aujourd'hui découlent de l'action, de la stratégie de deux pouvoirs. Le pouvoir du dragon et le pouvoir de l'agneau. Donc, deux entités sont en guerre pour que les humains fassent un choix pour ou contre l'autorité, la gestion, le gouvernement, le royaume des cieux, pour ou contre le royaume des ténèbres. Nous retenons aussi le fait que les prétéristes, c'est-à-dire ceux qui voient les prophéties comme étant accomplies dans le passé,
les futuristes, ceux qui voient que les prophéties, ce sont des choses encore à venir, et les historicistes, ceux qui voient que les prophéties vont avec l'histoire. Ces trois groupes n'ont donc pas la même vision des choses. Nous adhérons à la vision historiciste. Pour les historicistes, prophétiquement parlant, de la Genèse à l'Apocalypse, il y a un fil rouge. On pourrait dire même un fil conducteur qu'il ne faut jamais, jamais lâcher. Donc, pour comprendre les prophéties de la Bible, il faut d'abord intégrer la base qui se trouve dans le livre de la Genèse avec les histoires qui nous y sont racontées. Ces histoires-là sont aussi des prophéties. Dieu, qui conduit le passé, le présent et l'avenir, nous a révélé à l'avance tout ce qu'il nous faut savoir de l'histoire de la race humaine, cet ordre nouveau qu'il a lui-même créé, dans le contexte du conflit des âges entre le bien et le mal sur cette planète Terre. Donc on peut dire que de façon voilée, des perles cachées, un trésor à chercher, à découvrir, des jeux de rôle sont là dans la Bible. Ce sont les vérités divines que nous devons découvrir. Ces choses sont ainsi disposées pour que vous et moi qui allons comme ça dans la tête, dans l'esprit, sans que nous comprenions quoi que ce soit, sans que nous ayons fait une étude personnelle pour pouvoir assimiler personnellement, graduellement, progressivement les choses et les garder à l'esprit et faire en sorte qu'elles soient instructives pour nous. Le Dieu du ciel et sa parole nous ont ainsi prédit les actions, les stratégies des bons et des mauvais esprits dans le cadre de la guerre entre le pouvoir divin et le pouvoir satanique. Donc l'étude que nous faisons d'Apocalypse 13 est une étude dans un contexte de guerre spirituelle. Nous savons que le dragon, c'est le diable, l'ange déchu, le séducteur de nos premiers parents, Adam et Ève, et que l'agneau s'est perdu. La Bible en parle, mais si vous êtes parmi nous et que vous n'avez pas ces notions-là, je vous ai mis deux textes que nous allons lire, qui seront à l'écran, que vous allez pouvoir noter. Le premier, Apocalypse 12, verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc vous voyez que la parole de Dieu dit que le diable s'appelle le grand dragon, il s'appelle le serpent ancien, il s'appelle Satan. Ailleurs, il est connu comme le prince de ce monde ou le prince de la puissance de l'air ou le prince des ténèbres. D'accord? Voici un autre texte. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Là, merci, le texte présente Jésus comme étant l'agneau de Dieu. Donc, entre l'agneau de Dieu et le prince des ténèbres et ce fameux dragon, le diable et Satan, se déroule une guerre. D'accord? Et des stratégies nous seront révélées à travers la Bible, notamment le livre de la Genèse que nous étudions, et particulièrement le livre de la Genèse qui pose les bases de ces prophéties écrites pour ceux qui doivent vivre au temps de la fin. Le prince des lumières et le prince des ténèbres dans ce monde mènent les affaires sur cette planète. Regardez ce que dit Jean chapitre 8, verset 12 et Jean 14, verset 30. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Voilà, donc il y a un maître des ténèbres et un maître de la lumière. Chaque être humain sur la terre, en son âme et conscience, selon la foi qui est née, en lui ou en elle, à partir de l'étude de la parole, eh bien, chaque personne décide de suivre soit le maître de la lumière, soit le maître des ténèbres. Jean 14, 30, maintenant. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi.
Jésus lui-même identifie son adversaire, qui s'appelle le prince du monde, il s'appelle aussi le prince des ténèbres, comme je l'ai dit tout à l'heure, le prince de l'air. Et Jésus dit, eh bien lui, malgré tout ce qu'il a essayé, il n'a rien obtenu de moi, il n'a rien en moi. Donc, chers amis, d'après le texte d'Apocalypse, chapitre 13, pardon, versets 11 à 18 que nous avons lu, nous avons aussi la dernière fois étudié chapitre 13, pardon, versets 1 à 11 ou 1 à 10. D'après ce texte, si la première bête qui monte de la mer indique bien l'action du dragon dans les interactions et conflits, guerres de conquête entre les gens, des peuples, des nations, des langues, des royaumes, la seconde bête, elle, dans ses activités, suggère que l'action du dragon va affecter principalement la terre ou le sec habité par des humains et dont l'état et les conditions de vie au temps de la fin, au dernier temps sur cette planète, deviendront si difficiles que tout sera régenté par une organisation planétaire d'une certaine manière qui ne plaira pas nécessairement à tout le monde. Donc, en résumé, à la fin du monde, il y aura une organisation mondiale, planétaire, qui va faire en sorte que tous les habitants de la Terre soient gérés d'une certaine manière avec la motivation de se soumettre de façon à ce qu'ils puissent avoir un devenir sur cette planète. Car la nature sera bouleversée, les catastrophes ont créé d'immenses dégâts sur cette planète et il va falloir organiser d'une certaine manière la vie sur la Terre. Mais sera-t-elle organisée pour Dieu, en faveur du Maître de la Lumière, ou sera-t-elle organisée pour contrer, pour s'opposer au Maître de la Lumière? Et ceux qui auront de l'intelligence comprendront l'intelligence satanique qui organise les choses pour lui, ils vont le comprendre, et ne pas se soumettre à ces directives qui leur seront données. Étudier la seconde bête, c'est-à-dire le second pouvoir, quand la bête représente un pouvoir, la représente une organisation, qu'elle soit politique ou qu'elle soit politico-religieuse, le mot bête, c'est l'organisation mise en place par des êtres humains. Alors nous avons bien vu dans l'une de nos études passées que le Dieu du ciel dit aux hommes que ceux-ci ne sont que des bêtes. Maintenant, comment la Bible présente-t-elle la venue et la domination de ce mouvement ou organisation planétaire? Nous allons maintenant nous tourner vers elle pour trouver la réponse à notre question et nous allons lire Apocalypse 13, versets 3, 7 et 8. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Merci. Donc, vous voyez bien ici qu'il y a donc une organisation, un pouvoir, une puissance qui s'appelle la bête qui monte de la mer, mais qui a une de ses têtes en particulier qui prend le pouvoir. Et cette tête reçoit d'abord une blessure mortelle, ensuite la blessure est guérie, n'est-ce pas? Et toute la terre est en admiration derrière la bête. Donc, derrière cette organisation, derrière ce pouvoir, derrière cette puissance dominante. Et cette puissance dominante va faire la guerre aux saints, va les vaincre, et l'autorité sur toute tribu, peuple, langue et nation lui sera donnée. Tous les habitants de la terre vont adorer. Donc, vous voyez bien qu'il y a une domination de la planète Terre. Donc, c'est tous les habitants de la Terre qui vont adorer cette organisation, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Donc, il y a une partie des gens qui vont refuser l'adoration à cette puissance et plutôt vont rester fidèles à l'adoration de l'agneau qui a été immolé. Maintenant, le mouvement qui va régenter les choses viendra essentiellement du pouvoir
blasphématoire contre Dieu et persécuteur des saints du Très-Haut, représenté par la tête blessée à mort et dont la blessure mortelle guérira. Donc, comprenez bien qu'il y a ici trois entités qui vont se manifester. Deux en une, c'est la bête qui monte de la mer, et puis vous aurez une autre, la bête qui monte de la terre. Donc, il y a la bête qui monte de la mer, donc cette puissance qui est conglomérat, n'est-ce pas? C'est un ensemble de pouvoirs politiques qui vont se mettre ensemble. Puis, il va y avoir à ces pouvoirs politiques ajouté un pouvoir différent qui parle d'adoration. Donc, il est question d'adoration de la bête, donc pouvoir spirituel, pouvoir religieux, n'est-ce pas? Et puis, la deuxième bête, elle qui va se mettre au service de la première, soumise à la première, alliancée à la première, de façon à continuer l'œuvre du dragon. Donc, je reprends. Le mouvement qui va régenter les choses viendra essentiellement de ce pouvoir qui est blasphématoire contre Dieu, qui persécute les saints du Très-Haut, représenté par la bête blessée à mort et dont la blessure mortelle va guérir. Mais il y a aussi la bête seconde, à partir du verset 11 jusqu'au verset 18 de l'Apocalypse chapitre 13. Cette bête-là a deux cornes, l'autre en a 10, elle en a 2, ce qui fait 12. Et vous vous rappelez que je vous ai parlé des deux groupes, des deux peuples. Le peuple de Léa, donc la descendance de Léa avec 10 fils, et la descendance de Rachel avec 2 fils. Ce sont les mêmes descendants. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'il y a un fil rouge, un fil conducteur depuis la Genèse jusqu'à la fin de la Bible, où Dieu nous parle de deux groupes, deux entités, deux descendances, d'accord, qui vont prendre des aspects divers, mais ce sont les mêmes deux descendances, en tout cas symboliquement parlant. Et la deuxième bête va donc forcer les habitants de la planète à faire ce que la première bête désire, ce qu'il faut faire pour elle, pour les deux bêtes, soi-disant protéger la planète Terre et la survie de ses habitants. Donc, au nom de la protection de la planète Terre, au nom de la protection des habitants, au nom de l'amour, au nom de la fraternité, eh bien, il y a un système qui va se mettre en place pour embrigader les hommes dans une adoration qui n'est pas celle de Dieu et de son Fils Jésus-Christ. Donc, regardons bien ce que dit le verset 12 de l'Apocalypse, chapitre 13, et cela doit nous inspirer. Alors, je ne l'ai pas mis à l'écran, mais dans le chapitre 13, au verset 12, qu'est-ce qu'il dit? Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. On voyait bien que la seconde bête exerce l'autorité de la première. Donc, le second pouvoir va exercer son autorité sur les habitants de la terre selon les directives, selon les désirs, les envies et la stratégie de la première bête. Ce qui veut dire que le dragon transfère son autorité à la première bête qui monte de la mer, qui elle-même la transfère à la seconde bête qui monte de la terre. Les enfants de Léa, la descendance de Léa, première bête, reçoit l'autorité, le trône et la puissance du dragon. Et cette descendance d'humains, ce sont des êtres humains, eh bien, ceux-là vont vers la descendance de Rachel, parvenir à les convaincre, à les séduire, pour que cette descendance de Rachel se mette d'accord avec eux sous la direction du dragon, ce qu'on appelle encore l'esprit de l'Égypte spirituelle, pour que pas un seul habitant de la terre ne soit fidèle à l'agneau, c'est-à-dire à Jésus-Christ. Donc c'est une guerre pour faire en sorte que le Christ ne soit point adoré sur cette planète Terre. Comprenez bien la chose. Donc, c'est là que nous devons rester et ne pas simplement fixer nos yeux sur des mouvements politiques ou encore des mouvements religieux, mais considérer c'est un ensemble
de mouvements, de personnes, de pouvoirs qui sont sous la direction du dragon. Et le dragon, lui, il se bat contre l'agneau de Dieu. D'accord? Jésus-Christ. Donc, la question qu'on va se poser maintenant, puisque nous avons lu le texte, c'est pourquoi a-t-elle deux cornes? Que symbolisent ces cornes dans la prophétie? Alors, voyons voir ce que la Bible dit dans Daniel chapitre 7, verset 24 et Daniel 8, verset 29. Les dix cornes, ce sont dix rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent. Est-ce que le micro est ouvert? Oui, oui, c'est ouvert. On ne m'entend pas? Oui, on t'entend. Ah bon. Les dix cornes, ce sont dix rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera trois rois. Donc, vous voyez bien que dans la Bible, les dix cornes, ce sont dix rois qui vont s'élever de le royaume. Donc, les cornes peuvent être des rois, c'est-à-dire des dirigeants, d'accord? Ils peuvent être aussi tout simplement des royaumes. Regardez Daniel 8, verset 22. Les quatre cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont quatre royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. Donc, la corne peut être un royaume, peut être un roi, c'est-à-dire un dirigeant de ce royaume. Donc, dans notre cas, Apocalypse chapitre 13, versets 11 à 18, nous avons là un royaume avec deux cornes, c'est-à-dire qu'il y a deux dirigeants. Il y a deux choses principales qui dirigent ce royaume. Donc, la corne peut représenter un dirigeant. Un dirigeant, il intègre une politique, une philosophie, des orientations pour un royaume. D'accord? Donc, on peut dire que le royaume, la bête qui monte de la mer, le gouvernement, l'entité montant de la terre, possède deux principes, deux lois, deux philosophies, deux stratégies qui vont permettre son existence sur cette planète. Alors, on a dans Apocalypse, chapitre 13, versets 11 à 18, là, on a l'existence, la venue sur cette planète des États-Unis d'Amérique, qui est le pays qui va recevoir une grande autorité, une grande puissance de la part du dragon, mais qui, pour son existence, n'est pas venu comme les autres. Les États-Unis d'Amérique, pays protestant, né non de guerre et de lutte et de conquête entre nations, mais de conquête et d'occupation d'espace territorial, terrestre en fait, et cette puissance va croître jusqu'à dominer le monde. Et aujourd'hui encore, on parle des États-Unis d'Amérique comme une puissance majeure qui domine le monde. Mais cette domination va être à un moment menacée. Et il y aura, selon le texte biblique, besoin que cette puissance, cette bête qui monte de la mer, ayant la puissance, le trône et l'autorité du dragon, puisse maintenant épauler la bête qui monte de la terre, de façon à ce qu'elle puisse conserver sa domination sur l'échiquier mondial. Voilà. Donc, on doit d'abord comprendre que la bête qui monte de la terre est un agneau avec deux cornes. Donc, le principe de la République, le principe de la liberté de conscience garantie par l'esprit du protestantisme va donc permettre à cette nation de prendre une existence qui va de plus en plus grandiose sur cette terre et qui va finir par illuminer, dominer cette planète. Mais pour l'heure, comme le disent les médias, l'Amérique, les États-Unis d'Amérique sont en train de perdre le terrain dans leur hégémonie mondiale. Et ainsi, de façon à ne pas perdre la face, ils vont tout mettre en œuvre. Et nous réalisons que la prophétie nous dit que le dragon va donc soutenir la bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre. Parce que vous avez noté que la bête qui monte de la mer reçoit quelle puissance, quelle autorité, quel trône? Apocalypse
13, verset 2, nous dit qu'elle reçoit la puissance, l'autorité, le trône du dragon. D'accord? Donc, voilà une entité qui a trône, puissance et autorité du dragon. Et voilà une autre entité, à partir du verset 11 d'Apocalypse 13, qui, elle, parle comme un dragon. Elle parle comme un dragon. L'autre a l'autorité pour agir comme le dragon agit. Elle, elle a l'autorité pour parler comme parle le dragon. Donc, ces deux bêtes vont à un moment donné s'associer pour pouvoir prendre ou reprendre ou ne pas perdre la domination qu'ils ont sur la planète Terre. La République, le pays des libertés, ne seront bientôt plus qu'un souvenir. Car l'esprit du dragon, selon cette prophétie, puisque la bête parle comme un dragon, l'esprit du dragon, menteur, maître chanteur, séducteur, meurtrier, va prendre le dessus. Et qu'est-ce qui va se passer d'après le texte d'Apocalypse, chapitre 13, versets 11 à 18? Eh bien, c'est que le monde va être dominé, les habitants de la terre seront dominés, seront mis en adoration derrière la première bête grâce à la seconde. Puisque lorsque nous allons au verset 2, il y a une bête première qui est adorée, mais quand nous nous retrouvons au verset 12, il est dit que la seconde bête exerçait toute l'autorité de la première en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Dans la soumission, l'adoration des habitants de la terre. Donc, on a là deux entités politiques et religieuses qui vont s'unir et recevoir le pouvoir. Alors, comment la bête qui monte de la terre devient-elle le bras armé de la bête dont la blessure mortelle avait été possède la montée de la mer et que possède la seconde? On va appeler Daniel 2, verset 43 pour comprendre. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Alors, question, que possède la bête qui monte de la mer? Elle possède la puissance, le trône et l'autorité du dragon. Maintenant, regardez. Daniel, chapitre 2, verset 43. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Mais il se trouve que la Bible nous dit que ces entités vont faire des alliances. Par ces alliances, eh bien, elles vont pouvoir travailler ensemble, quoique point unis, hein. Elles ne sont pas unies, mais elles vont faire certaines alliances qui leur permettront de pouvoir agir ensemble pour garder leur pouvoir. Donc, le pouvoir de la parole ou encore de la communication, la seconde bête le possède. Il possède aussi le pouvoir du feu qui tombe du ciel, selon ce que nous dit Apocalypse 13, la puissance de séduction du dragon par la possibilité de faire de grands prodiges et une autorité que lui a déléguée la première bête. Donc, les deux bêtes, au pouvoir satanique et mondial, vont donc faire alliance. Donc, on peut dire, selon les études que nous avons faites la dernière fois, que catholicisme, protestantisme, apostat vont se donner la main et marcher ensemble politiquement et religieusement en ayant fait des alliances. Donc, la deuxième bête va imiter la façon de faire de la première pour imposer aux habitants de la terre l'admiration, l'adoration de la première bête, ayant eu la tête blessée à mort, mais qui a guéri. On peut alors parler de domination par les deux bêtes, de privation de liberté par le pouvoir de ces bêtes, d'esclavage de ces bêtes, de persécution par ces pouvoirs appelés des bêtes, de soumission forcée par ces pouvoirs appelés bêtes. Donc voilà vers ce que la planète Terre, nous dirigeons
vers une domination par un pouvoir mondial uni, alliancé, et qui va imposer ses vues, sa façon de faire et de voir aux habitants de la terre. Maintenant, qui a reçu en premier la bénédiction du dragon? Apocalypse 13, verset 2, nous dit que c'est la première bête. Que possède désormais la bête qui monte de la terre? Eh bien, regardons précisément ce qu'elle possède. Apocalypse 13, verset 12 à 14 et 12, verset 9. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Analysons le texte ou relisons le texte et regardons précisément ce que possède la seconde bête. La seconde bête possède l'autorité de la première bête. Et l'autorité de la première bête vient du dragon, ainsi que le trône et la puissance. Et elle exerce cette autorité avec la bénédiction de la première bête, en sa présence. La seconde bête fait que la terre et ses habitants adorent la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Cette seconde bête opère de grands prodiges. Donc elle a la puissance de faire des prodiges, donc des miracles, des choses étonnantes, jusqu'à faire descendre le feu du ciel. Donc elle a la puissance du feu à la vue des hommes. Et puis elle a une grande puissance de séduction. Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Donc cette bête-là a toute la probation de la première pour pouvoir dire aux habitants de la terre ce qu'il faut faire. Alors il m'est arrivé un petit incident ou une petite anecdote pendant que je préparais ce message, c'est que au moment où je tape le mot la mort, M-O-R-T, dans une phrase où je voulais dire que la blessure était une blessure qui mène à la mort. Quand je tape le mot mort, voici le mot qui apparaît à la place du mot mort. Apparaît ce mot, je ne sais pas pourquoi, Vortrecker monument. Alors, je vois le mot bien en surbrillance sur mon écran et je me dis, c'est quoi ce mot-là? Jamais vu, pourtant, ça paraît un mot qui appartient à quelque chose, qui est attaché à quelque chose. Je vais aller dans Google et je vais taper pour voir est-ce que ce mot-là existe vraiment. Et je vais sur Google et je retrouve ce mot. Et il est un mot qui se trouve être le nom d'un monument qui est en Afrique du Sud. Et la recherche faite sur ce monument, je trouve que celui-ci est donc en Afrique du Sud. Et il a été construit à la gloire de l'homme, de la femme, de la colonisation et du soleil. Et qu'il s'appelle le Vortrecker Monument et une esplanade de 20 000, qui peut prendre 20 000 personnes. Donc je me dis, mais là se manifeste l'esprit du dragon, la gloire de l'homme, la gloire de la femme, la colonisation, l'adoration du soleil. Ça ne peut correspondre qu'à l'esprit du dragon. Donc, je me dis que ce n'est pas étonnant que ce mot-là ait, par une advertance, apparu sur les camps. Le Seigneur certainement voulait me faire comprendre quelque chose que je partage avec vous ce soir et qui me semble être dans le contexte de ce que nous étudions. Voilà, je ferme la parenthèse et on continue. Maintenant, comment comprendre la bête, son esprit et le nombre de la bête? C'est là qu'il vous faudra être attentif, puisque nous parvenons à la fin, mais les choses sont un peu plus délicates. Alors, première chose, notez que c'est la bête, un conglomérat politique et gouvernemental, selon le chapitre 13, verset 2, qui a un nombre, pas la tête blessée à mort, le nombre d'Apocalypse 13, verset
c'est ici là, verset 18, hein, c'est ici la sagesse, que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Notez que le nombre n'est pas le nombre de la tête du cerveau, mais le nombre de la bête, c'est-à-dire une organisation, un conglomérat politique, gouvernant ou gouvernemental qui a l'appui du dragon, car il reçoit la puissance, le trône et l'autorité de la bête. Cette puissance, ce trône, cette autorité est partagée avec la seconde bête, n'est-ce pas, pour accomplir la volonté du dragon. Donc, on peut dire que c'est la bête qui a tout reçu du dragon, puissance, trône, autorité, qui va donc se manifester avec la tête blessée à mort et qui guérit. Mais c'est un ensemble de choses politiques, religieuses, qui possèdent cette appellation, ce nombre 666. Le nombre est celui du dragon et de son médium, la bête. Donc, le nombre s'applique d'abord au dragon et ensuite, en second lieu, au médium, c'est-à-dire le moyen que la bête utilise, ou le dragon utilise, pardon, pour se manifester, eh bien, le nombre peut aussi lui être attribué. Maintenant, voilà où nous entrons dans l'actualité. Quelle est pour l'instant l'organisation humaine avec laquelle le monde est dirigé? Tout le monde sait que l'organisation qui dirige le monde aujourd'hui, de manière financière, politique, sociale, économique, sanitaire et autres, c'est l'ONU avec ses 8 satellites. Alors nous verrons tout à l'heure que l'ONU possède, l'Organisation des Nations Unies possède 8 organisations autour d'elle pour faire en sorte que ces tentacules puissent atteindre le monde entier. Alors l'ONU est fondée le 24 octobre 1945. Retenez cette date. La charte de l'ONU a été signée le 26 juin 1945 par les représentants de 50 pays et le 15 octobre 1945 par la Pologne. Il y avait donc 51 membres fondateurs en 1945. Retenez ces chiffres. Conformément à l'article 110, la charte est entrée en vigueur le 24 octobre 1945. Après sa ratification par les 5 membres permanents du Conseil de sécurité et par une majorité des autres États. Aujourd'hui, l'ONU est comme une pieuvre dont les bras tentaculaires enserrent le monde entier à travers ses 8 organisations satellites. Vous les voyez ici. Donc, ces organisations de l'ONU mènent les affaires mondiales. D'accord? Alors, on a l'OTAN, dont on parle souvent ces jours-ci avec la guerre en Ukraine. On a encore l'UNICEF ou encore le World Health Organization, l'Organisation mondiale de la santé. Vous avez d'autres organisations comme la FAO, etc., etc. Donc, vous en avez 8. Qui assiste l'ONU dans ses missions. Cela ne vous rappelle-t-il pas les 8 rois qui doivent recevoir le pouvoir et régner une heure avec la bête? 8 organisations. L'Apocalypse parle de 8 rois qui doivent recevoir le pouvoir de régner une heure avec la bête. Maintenant, je vous invite à comprendre bien que c'est là où les chiffres ont une importance, car la Bible dit que celui qui a de l'intelligence calcule. Et pour calculer, il faut des chiffres. Et celui qui calculera bien avec intelligence comprendra ce qu'est le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 6, 6, 6. Comprenez, cela a commencé avec 51 membres. 51 membres, 5 plus 1, ça fait 6.
La charte désignée, l'a été le sixième mois de l'année, juin 1945. Le 51e membre a signé le 15 octobre, 1 plus 5 égale 6 de l'année 1945. La charte est entrée en vigueur le 24 octobre, 2 plus 4 égale 6, le jour ou date de la quatrième semaine d'octobre 1945. Cette répétition en calcul du chiffre 6 nous mène à nous interroger. Je ne peux pas ne pas m'empêcher de réaliser, n'est-ce pas, quand on regarde le langage des chiffres et leur symbolique, qu'on arrive régulièrement au chiffre 6, la moitié de l'humanité, si l'on prend la symbolique du chiffre 6 dans le langage hébraïque. Alors, le chiffre 12 dans le langage hébraïque représente ou symbolise l'humanité, ou le chiffre 12, peuple, chiffre des disciples du peuple de Dieu. D'accord ? 12 disciples, 12 patriarches, etc., etc. Donc, vous avez un 6 qui est la moitié. Donc, on réalise qu'encore une fois, deux groupes, une moitié de l'humanité est séduite par le dragon et une autre moitié est censée avoir été séduite par l'agneau. Mais nous verrons qu'il va se passer quelque chose de particulièrement triste. Je note encore que si l'on va plus loin dans les calculs à faire, parce qu'il a dit « celui qui saura calculer comprendra le sens du 666 », un jour est équivalent à 1000 ans de patience de la divinité, de Dieu. Une heure, dans la symbolique, c'est un douzième de ce jour qui est équivalent à 1000 ans. Si l'on prend le sixième millénaire, donc puisqu'il s'agit de lui, c'est censé être l'avant-dernier millénaire avant que Jésus n'intervienne pour donner à l'humanité du repos, lorsque l'on fait le 1/24e de 1000, on tombe à 41,666666667. Si vous ajoutez ces 41,666666667 années, vous arrivez à 1986. Vous ajoutez 41 années à 1945, puisque l'ONU a été formée, mise en place en 1945. Si vous ajoutez ce nombre d'années à 1945, 41 années, 6, 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 7, bien vous arrivez à 1986, l'an 1986, avec les mêmes 6, 6, 6, 6, 6, 7, que je n'ai pas enlevé, je n'ai pas arrondi. Mais la chose étrange, c'est que le 27 octobre, encore le mois d'octobre, de cette année-là, c'est la journée mondiale de prière. Le pape Jean-Paul II réunit en assise les représentants de toutes les religions en un sommet en faveur de la paix et de la fraternité universelle. Cette journée est la première d'une série de rencontres interreligieuses connues sous le nom de rencontres d'assises. Vous pouvez trouver ça sur Internet facilement si vous tapez « Journée mondiale de prière ». D'accord ? Donc, ce qui veut dire que les fameuses alliances dont nous avons parlé tout à l'heure, eh bien, elles ont commencé là à se mettre en place et 1986 est une année marquante de ces différentes alliances. Okay? Je ne vais pas entrer trop dans les calculs puisque ça peut plaire à certains, ça peut les d'autres indifférents ou on peut trouver ça un petit peu mystique, mais souligner cependant que les chiffres donnent régulièrement le chiffre 6. 6, 6. Ce n'est pas anodin et ni à considérer comme ça à la légère. Moi, je me pose la question, ne peut-on pas dire que 6 est le chiffre saint ou marquant de cette organisation planétaire qu'on appelle l'ONU, le chiffre de la moitié de l'humanité symbolisé par le chiffre 12 en hébreu? Permettez-moi donc de vous faire une proposition d'approche du chiffre 6, 6, 6,
6. 6 est aussi le chiffre symbolique et marquant de trois grands choix et objectifs divins que le diable doit garder en permanence dans sa mémoire, vu la guerre et le combat dans lequel il se trouve. Et nous aussi, nous devons garder ces trois objectifs en mémoire. Premier objectif, Dieu choisit dans son grand plan de salut de se fixer un objectif, la création de l'humanité. La création de l'humanité se fait en 6 jours. 6, car s'il faut tenir compte du fil conducteur, 6, c'est le chiffre ou le nombre de jours de la création d'après Genèse chapitre 1er. Premier objectif lié au chiffre 6. Deuxième objectif lié au chiffre 6. 6, c'est le nombre de jours prophétiques ou de millénaires littéraux, le temps donné au diable pour démontrer son caractère et ses idées et dominer sur les enfants des hommes. C'est aussi le temps de la patience divine selon 2 Pierre 3, verset 8. Un jour est comme 1000 ans, Dieu ne veut pas que tous périssent, mais qu'ils usent de patience. C'est le temps de la patience de Dieu selon Pierre, un jour est comme 1000 ans. Donc, par le principe d'un jour égal à 1000 ans, de 2 Pierre 3, verset 8, le temps du diable est donc de 6000 ans, avant son anéantissement, avant que la terre se repose de toutes ses œuvres maléfiques au 7e millénaire. Donc, voyez bien que le chiffre 6, deuxième fois, est attaché à ces millénaires littéraux, le temps de la patience de Dieu. Le temps qui est offert ou donné à Lucifer pour faire toutes ses œuvres, ainsi montrer son caractère. Et puis, le troisième objectif, c'est le temps nécessaire à Dieu pour faire naître les fils du royaume ou saints du Très-Haut et leur donner la victoire sur le prince de ce monde et les fils du malin. Chers amis, ce temps-là, troisième objectif, c'est aussi le temps du rassemblement des brebis, le temps de la purification des fils de Lévi et le temps de la révélation des fils de Dieu. Regardons les textes bibliques rapidement, tandis que nous parvenons à la fin. Premier texte. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu pour l'agneau, et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Ne trouvez-vous pas étrange, chers amis, chers auditeurs, qu'après avoir dit, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666, que Jean nous présente le groupe des 144 000. Apocalypse 14, verset 1er, dit, je regardais, voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur le front. Jean ne fait pas ça par hasard. Ça veut dire que les 144 000 ont un des six qui s'attache à un objectif majeur de Dieu que nous avons cité tout à l'heure, et on parle du rassemblement des brebis dans le livre, la purification de Dieu, c'est qui en parle dans Romains chapitre 8. Poursuivons donc la et vous allez en rendre compte. Et encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. N'oubliez pas que c'est l'agneau de Dieu qui parle là, hein? Jésus. Ensuite. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Alors notez
que pour que l'offrande de Juda et de Jérusalem, c'est-à-dire l'ensemble des sauvés, soit agréable à l'Éternel, il faut d'abord la purification de Lévi. Le texte dit purifier les fils de Lévi. Alors, l'offrande Juda et de Jérusalem. Jérusalem ne peut pas être agréable à l'Éternel si d'abord il n'y a pas la purification. Or, si vous faites une étude de ce que c'est que la purification des fils de Lévi, vous allez bien comprendre que Lévi étant le père de tous les sacrificateurs, il s'agit de la purification de ceux qui vont prendre la direction de l'univers avec Dieu à la fin, puisque Jésus, dans Luc chapitre 19, dit bien que ceux à qui il avait confié des mines, qui sont des serviteurs, parce que les sacrificateurs sont des serviteurs, reçoivent le gouvernement de ville. Donc, les fils de Lévi, ce sont ces personnes qui reçoivent des dons et des talents, qui les font fructifier et qui vont recevoir la récompense de diriger avec l'agneau et d'entrer dans la joie de leur maître. Jésus aura fait paraître ses fils, il les aura purifiés, il les aura mis en évidence pendant le jugement. Oh, c'est alors qu'ils seront les premiers fruits. Et après, il y aura, c'est-à-dire Judas et Jérusalem. Il faut d'abord les fils de Lévi. J'ai entendu parler un saint et un autre saint dit à celui qui parlait. Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché des bâtonneurs? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Il me dit 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Donc vous voyez bien qu'il y a un piétinement qui se fait. Pendant combien de temps s'accomplira la vision du sacrifice perpétuel? Il n'y a pas le mot sacrifice dans l'original, c'est les interprètes qui ont ajouté ce mot sacrifice pour mieux simplifier la lecture du texte, mais dans l'original, le mot sacrifice n'existe pas. Donc, pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le perpétuel? Et ça, c'est une étude intéressante, celle du perpétuel. Nous allons la reprendre, nous l'avons fait dans le livre de Daniel. Si vous retournez dans les vidéos que j'ai faites sur Daniel, vous allez trouver l'explication de ce qu'est le perpétuel. Donc, il y a une problématique. Le pasteur a été encore coupé. Vous avez remarqué comme moi des problèmes de communication. Le son était hachuré. Mais il faut savoir que ton son était hachuré beaucoup. Donc, le troisième texte que nous allons lire, c'est Romains chapitre 8, verset 19. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu? Donc, oui, la Bible dit qu'il y a un moment où Dieu doit révéler ses fils à l'univers tout entier, à la création tout entière. Donc, ça va se faire bientôt. C'est en pleine préparation. Vous savez que Jésus est dans le ciel en train de faire cette préparation-là. Et bientôt, la révélation de ses fils de Dieu aura lieu. Donc, Dieu a donné 6000 ans pour que Satan montre son caractère et que Dieu révèle ses fils. Car c'est par l'intermédiaire de cette révélation de ses fils qu'il va produire les prémices, les premiers fruits, et va pouvoir faire la moisson. C'est par l'entité ONU, le fameux léopard, composé avec ses têtes dirigeantes, que le dragon dirige le monde. L'ONU est la bête utilisée par le diable pour diriger le monde. Et cette bête s'est associée, la seconde bête, c'est-à-dire l'agneau à deux cornes, de façon à pouvoir dominer sur le monde. Il va sans dire, chers amis, que l'homme est au cœur du dispositif satanique. Voilà pourquoi il est dit, c'est un nombre d'hommes. Le mot homme est au singulier. Donc l'homme, l'être humain est foncièrement, et fondamentalement attaché à tout ce dispositif satanique. Mais l'homme est aussi au cœur du dispositif divin,
Alors, que celui qui a de l'intelligence calcule et comprenne qu'est-ce qui se passe avec les humains. Vont-ils recevoir la marque ou ne vont-ils pas recevoir la marque? Qui sera du côté du créateur? Qui sera du côté du destructeur? Donc, l'homme sera le sujet et l'objet de l'action satanique pour piétiner l'humanité, mais aussi, surtout, piétiner le peuple de Dieu qui refusera de se soumettre au gouvernement terrestre et satanique. Donc, le nombre 666 concerne le diable au plus haut point, l'homme, l'humanité au plus haut point, et son choix d'être serviteur de Dieu ou serviteur du diable, serviteur du créateur ou serviteur du destructeur. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il parle des derniers, tout derniers temps de la fin, dit « Le royaume des cieux est semblable à un serviteur qui donne la nourriture à ses frères, à ses compagnons au temps convenable. Le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui vont à la rencontre de l'époux. 5 étaient folles et 5 étaient sages. Le royaume des cieux est semblable à 3 serviteurs à qui le maître remet ses biens. 5 talents à l'un, 2 à l'autre, 1 au 3e. » Donc, il s'agit bien de serviteurs. Servir Dieu ou ne pas servir Dieu. Et depuis le départ, nous avons vu que Dieu attache ces 3 objectifs à 3 chiffres 6. 6, chiffre de la création. Chiffre 6, temps 6000 ans donné au diable pour faire ce qu'il a à faire et accueillir la victoire des fils de Dieu. 6, c'est aussi le temps de cette victoire, le 6e millénaire. 6e millénaire. 6e millénaire. La création de Dieu a partir du 6e millénaire, va recevoir une visite, une action spéciale de Dieu, mais aussi une action déchaînée du malin, car la révélation des fils de Dieu s'apprête à être une réalité. Et le diable sait. Voilà pourquoi l'Écriture dit qu'il est en colère, car il lui reste peu de temps. Peu de temps. L'humanité et le dragon ont pour cela, bon, comme je l'ai dit, 6000 ans, plus le temps de la dernière proclamation de l'Évangile qui précipitera la fin. L'Évangile sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors, viendra la fin, c'est ce que nous dit Matthieu 24, verset 14. Apocalypse 14, verset 6, nous dit que « Je vis un ange qui volait par le milieu du ciel ayant un Évangile éternel pour le proclamer à toutes aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. » Et Apocalypse 2, versets 20 et 21, nous laisse bien à comprendre que Dieu a donné un temps à Jézabel, farouche représentante de l'esprit satanique. Dieu a donné un temps à Jézabel pour qu'elle se repente, mais malheureusement, elle ne s'est pas repentie. D'accord? Dans Apocalypse chapitre 13, qu'est-il dit de la gestion des humains par le dragon et ses associés, que sont la bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre? Donc, le diable a 2 comparses, 2 associés. L'organisation conglomérat appelée bête qui monte de la mer, avec une tête blessée, l'aspect religieux, il va prendre toute sa place dans cette action satanique et diabolique, et l'organisation de la bête qui monte vers de la terre, et qui a, elle aussi, un aspect éminemment religieux, puisque le protestantisme est à la base de la formation de ces États-Unis d'Amérique. Donc, les habitants de la terre, nations, tribus, langues, peuples, sous les sollicitations de ces 2 puissances associées, vont former 2 camps. Le camp de ceux qui sont avec le Père des Lumières, et le camp de ceux qui sont avec le Père des Ténèbres. Le camp du dragon et le camp de l'agneau. Maintenant, il faut aussi comprendre, chers amis, dans Apocalypse chapitre 13, versets 11 à 18, qu'il y a une trahison, puisque Apocalypse 13, versets 11 à 18, est censé être le peuple de l'agneau. Je vis un agneau qui avait 2 cornes et qui parlait comme un dragon, mais c'est toujours un agneau. Or, l'agneau, c'est la symbolique du Christ. Donc, ça veut dire que ce sont les gens qui ont cru en Jésus,
mais qui vont trahir leur Seigneur. Le camp de l'agneau va subir une vague de séduction pas possible, la grande séduction qui doit se déferler sur le monde, et malheureusement, beaucoup vont se tourner vers le dragon et trahir Jésus-Christ. L'ONU, associée au papisme politique et religieux et au protestantisme, bête qui monte de la mer et ensuite bête qui monte de la terre, eh bien, ces deux pouvoirs vont être associés puisque le deuxième va prendre le pouvoir du premier qui lui-même va le céder à ce second, mais tous ces deux-là sont dirigés et simplement par le même maître qui est Satan. Donc, on peut dire, en conclusion, que athéisme, satanisme, christianisme apostat, trois esprits impurs qui vont se lier par des alliances afin d'anéantir le peuple du Très-Haut et son adoration. Le monde entier sera soumis sous le contrôle informatique, cellulaire, le contrôle des ondes. La domination et la possession des esprits est l'objectif dont les dirigeants du forum de Davos ne se cachent plus à travers particulièrement l'intelligence artificielle. L'homme sera privé de ses droits humains, civils, religieux, moraux, soi-disant pour son bien, et s'il refuse de se soumettre à la bête et à son image, alors il sera emprisonné ou mis à mort. D'abord, ils ne pourront plus vendre, plus acheter, c'est-à-dire avoir les moyens de leur existence sur cette terre. Ceux qui ne voudront pas adorer la bête et son image n'auront plus la possibilité d'avoir les moyens d'exister sur cette planète. Parce que ces moyens seront associés aux lois créées pour prendre le contrôle de tout, et particulièrement des esprits. Maintenant, regardez cette vidéo. Voici le Forum économique mondial. C'est ici, en Suisse, à Davos, que se tient une réunion annuelle où les élites du monde entier, après avoir voyagé dans leur jet privé, se réunissent afin de se mêler, de planifier l'avenir et aussi, c'est ironique, de jeter les bases de la réduction de l'empreinte carbone du monde. Et depuis 51 ans, ces élites mondiales, dont la plupart sont des individus non élus, se réunissent dans un demi-secret afin de décider des politiques qu'elles veulent voir mises en œuvre au niveau mondial. Et étant donné que ces élites mondiales contrôlent les leviers du pouvoir dans leurs sociétés respectives, elles sont en mesure de mettre en œuvre tout ce qu'elles veulent. Ainsi, à titre d'exemple, si elles souhaitent mettre en œuvre des quotas d'équité fondés sur la race ou encore réduire les émissions de carbone, eh bien rien de plus simple. Il leur suffit d'introduire des sources ESG dans les secteurs bancaires de différentes nations, de sorte que seules les entreprises qui suivent le programme aient accès au capital. Et étant donné que les dirigeants de presque toutes les grandes banques sont présents à Davos, eh bien c'est une chose simple à faire. Et ce genre de démarche va bien au-delà du secteur bancaire. Par exemple, jetez un coup d'œil à cette liste de 58 pages des participants au sommet du Forum économique mondial de cette année. Les dirigeants de Pepsi, de New York Times, d'IBM, de PayPal, de Moderna, de Bank of America, du Washington Post, de Coca-Cola, de Pfizer, de BlackRock et ainsi de suite. Il y a 58 pages au total. En fait, l'avantage du Forum de Davos, pour nous, simples citoyens, c'est qu'il nous permet d'avoir un aperçu de la pensée des élites, car très souvent, le Forum économique mondial est un endroit où les élites disent tout haut ce qu'elles pensent tout bas. Et en fait, au fil des ans, l'élite de Davos a fait des déclarations pour le moins étranges et qui ne reçoivent pas vraiment l'attention médiatique qu'elles devraient. Et en fait, quand on met bout à bout ces déclarations individuelles, on aboutit à un thème général, un thème qui revient en permanence, à savoir le contrôle total de l'humanité. Et ce contrôle total, selon les élites de Davos, se fera par le biais des médias, de la science et de la technologie, afin de remodeler les démocraties et de former un gouvernement mondial.
Il est vrai que cela peut sembler conspirationniste, cependant je vous propose de passer aujourd'hui en revue les 8 idées les plus dystopiques actuellement défendues par le Forum économique mondial, et vous pourrez alors décider par vous-même si c'est conspirationniste ou non. Je vais poser la question, donc, à quoi faut-il s'attendre aujourd'hui? Eh bien, il faut s'attendre à des lois de plus en plus contraignantes, restreignantes des libertés individuelles, et sonnant le glas et la perte de liberté, la démocratie tant chérie dans les années précédentes. Mais les saints du Très-Haut refuseront toute loi ou contrainte les obligeant à devenir de simples marionnettes d'un pouvoir satanique et les adorateurs de la bête et de son image. Le peuple de Dieu se retirera du système qui voudra les forcer à suivre les vues d'un homme ou de pouvoir allant à l'encontre des directives divines pour notre temps et la vie éternelle. La grande question finale, c'est d'où viendront ces saints, ces fils du Très-Haut qui résisteront aux forces bestiales et sataniques et qui triompheront du dragon, de la bête et de son image? De quoi sont-ils faits? Comment sont-ils identifiés? Pouvons-nous en faire partie et devons-nous en faire partie? Comment? C'est ce que nous allons étudier dans les prochaines rencontres à partir du mois de septembre, puisque nous faisons relâche pendant ce mois d'août. Nous continuerons à découvrir les choses extraordinaires révélées par Dieu pour que la grande séduction ne nous atteigne pas, ne nous fasse pas chuter et tomber dans le mauvais camp. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse et à très bientôt. Pasteur, nous avons une question. Alors, à quel signe connaîtra-t-on que la domination de la bête qui monte de la terre est imminente, qui monte de la terre est imminente sous la terre? Ben, les signes, ils sont déjà là. Hein? Lorsque les deux puissances en question, le protestantisme et le catholicisme, vont se donner la main d'association pour pouvoir imposer au monde entier leur vision planétaire, alors ce sera un signe. Et vous savez que ces signatures, ces alliances ont déjà eu lieu. Nous sommes dans les dernières modalités qui permettront à ces puissances de prendre la main et de dominer. Voilà. Donc, si vous suivez l'actualité des alliances, vous comprenez qu'on est déjà là dans le temps où ces choses vont se mettre en place. Si vous suivez l'actualité de l'intelligence artificielle, si vous suivez l'actualité de la monnaie numérique, si vous suivez les actualités religieuses et politiques actuellement, eh bien vous comprenez que nous abordons la toute dernière ligne droite avant le retour de Jésus et l'établissement des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Donc, nous avons les signes autour de nous. Hein. Il suffit simplement d'ouvrir les yeux et de constater que nous sommes en plein dans l'actualité prophétique. Notre Dieu et notre Père, nous te remercions pour ce moment que nous avons partagé. Malgré les difficultés de diffusion, nous te remercions pour ton message qui a été entendu par plus d'un. Et nous prions, Seigneur, que ce message soit lu, relu, visionné, revisionné, et que ceux qui veulent comprendre, qui veulent avoir l'intelligence de ta parole, puissent l'avoir, de sorte qu'ils soient préparés pour le retour de Jésus, mais surtout pour traverser ces temps de troubles et tenir bon quoi qu'il arrive. Merci de nous faire du bien. Au nom de Jésus. Amen.